ça va. J'ai demandé à ma grand-mère de me donner des couverts, hein, parce que je vais vraiment manger, d'accord. Regarde ce que la dame m'a donné, Samara. Je fais quoi avec ça? Mais madame, on a des goûts quand même. Je fais quoi avec ça, Samara? Écoute, on va faire une accroche-serviette. Mais j'espère que tu pourras mettre ça chez toi dans ta nouvelle maison. Et tu accroches la serviette sur ma tête? Je vais. Ah, d'accord. Alors, j'espère que tu as tout le matériel. Voilà. Il faut quoi? Alors, il nous faut de la colle à boire, colle vinylique. Mm-hmm. Un vieux journal. Colle de composants, hein. Okay. Tu as l'habitude maintenant. De couverts, hein. Donc là, on a pris des cuillères de mamie, mais tu peux utiliser couteau, bah vas-y, couchette, tu fais ce que tu veux parce que. Un pot avec de l'eau et un pinceau. Ok. Ok. Mm-hmm. Bon, t'es prête? Ouais. Ok. Oui, il nous faut notre planche aussi. Hein. J'ai oublié de dire ça. Il nous faut une planche. Donc. Tu peux le faire? Oui, si tu veux. Non, on va faire sur celle-là. On va partir sur celle-là. On prend une planche. Ouais, on en prend qu'une. Ok. On va utiliser celle-là. Mm-hmm. Alors, on va verser un petit peu de colle vinylique. Donc, tu te rappelles, hein, à quoi ça sert la colle vinylique? Donc, quand on a recouvert des surfaces. C'est tout ce qui est bois, voilà. Tissu, du papier, etc. D'accord. Dès qu'on fait de la custo. Ouais, okay. Par contre, alors, cette colle-là, il faut toujours la diluer avec de l'eau. Ouais, parce qu'elle est trop épaisse et du coup, ça ne s'étale pas correctement. Ok. Donc, pas grand-chose, mm-hmm. mais un petit peu quand même. Mais alors, du coup, tu vas appliquer la colle. On applique d'abord un petit peu sur le bois. D'accord. D'accord, ensuite, tu viens appliquer ton papier. Vas-y, applique. Donc, d'abord la colle sur le bois et ensuite sur le papier. Voilà. Et moi, de mon côté, je vais commencer à plier les couverts. Mm-hmm. Regarde comment je fais. Moi, fort. Bon, je vais utiliser notre colle à deux composants. Je vais l'appliquer là. N'applique pas de colle là, comme ça je vais te montrer comment coller ça. D'accord. Je la mélange. Bon, soit tu recouvres toute la surface, soit bah, en fait, j'essaie de combler le bois les petits trous. J'essaie de combler les trous du coup, mais bon. Ça m'a l'air sympa déjà comme ça. Enfin bon, ça me rassure surtout qu'on puisse utiliser. Donc, regarde, je vais appliquer ma colle. Des vieux couverts usagés. Sur la partie que je vais coller au bois. Mm-hmm. Et je vais venir appliquer ça juste là. Je vais faire une petite pression histoire que ça colle. On va laisser sécher. Je vois. D'accord. Ça n'a pas encore séché, Chanel. D'accord, donc on le met là. On va laisser sécher. On va laisser sécher ça là. Ah ouais, d'accord. Ok, en fait. Oui, maintenant ça a du sens. Hein, ça a du style. Hein. Donc du coup, tu accroches tes petits trucs. Putain, c'est génial. Tu peux mettre ça dans ta cuisine. C'est super. Non, bah non, derrière la pente de ma salle de bain, en fait. Du coup. J'aime beaucoup, franchement. Ouais. Ah, mais du coup, tu vois, là, j'aime tellement que je remarque même pas que les couverts sont dégueulasses, tu vois. Voilà. Ah bah écoute, quand mamie viendra à la maison, tu pourras lui dire, mamie, regarde à quoi on s'est invité couvert. Hein. Elle serait contente, tiens, de savoir que j'ai plié, c'est décomposé. Voilà, j'ai réussi à te convertir à la maison. J'adore, c'est super. Non, c'est super. Maintenant, je vais pouvoir dire à ma grand-mère, mamie, tu vois, j'ai utilisé tes couverts. Voilà, je vais même lui offrir un petit truc comme ça, je suppose qu'elle t'en a donné pas mal. C'est moderne. Voilà. C'est moderne. Ok, eh ben écoute. Très bien. Mamie sera contente. Mmh. Écoute, nous aussi, épisode songé, voici que les pages étaient. Bye!